voilà parmi nous, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour notre part, ça va, comme tu peux le voir, nous allons reprendre l'aventure Star Wars. Alors oui, je fais un petit test de touche pour voir si tout fonctionne bien, parce que la manette avec laquelle je faisais le LP jusque là... Tu t'attendais pas à ça? Excusez-moi. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Tant de choses ont changé depuis que j'ai entendu son nom pour la première fois. Tu sais, j'en ai fait, hein, Fordav, du RP, hein. J'en ai fait du RP. Là, je t'avoue qu'en ce moment, le RP... Non. Pas trop, non. J'ai essayé de créer un projet, mais c'était... C'est en stand-by pour le moment, donc... voilà. Donc voilà, voilà. Le temple est par ici. C'est sublime. Dagan et Saltarikri voyaient leur avenir ici. On voit où ça les a menés. C'est sublime. Et ouais, j'ai essayé de créer un projet, mais pour le moment, ouais. Putain, l'eau bleue comme ça là, elle est sublime. Hein. Waouh. Donc YouTube, pour que tu le saches, nous dirigeons tranquillement vers la fin de notre aventure. Oui, bah hop, demi-tour, hein. Il y a des trucs à récupérer, donc de l'XP. Ça, ça marche, ça? Scanne-moi ça, petit BD1. Ah là, de l'XP. On va aller scanner juste derrière là-bas aussi. Où est le scan? Là. Il y a une donnée ici. Il y a quelque chose. Un scan, un truc. Là, voilà, c'était ça. Chasseur de prix. Ah non, un droïde de la Haute République. Après, si tu es intéressé, je peux contacter. J'ai un serve avec un fonda incroyable. Mais sinon, tu es en survie depuis combien de temps? En survie? Qu'est-ce que tu appelles en survie, Fordav? Dans le jeu actuel? Ça fait un moment. Ça va faire presque un mois, je crois, qu'on est sur le jeu. Ouais, ça fait un mois qu'on est sur le jeu. Presque. Pas tout à fait, mais presque. Je vais juste changer ça, hein. Bougez pas. Ça, j'aime beaucoup. On va repartir sur ça. Je vais peut-être changer ça aussi. Alors on est bien. Celui du milieu je l'ai pas changé. Là celui-là. Voilà. Et ça. Étant donné que je ne l'utilise pas, je vais quand même le laisser tel quel. Et on est bon. Oui, on se dirige, on est vers la fin là, on est plus proche de la fin que du début en tout cas, oui. Bah, là on est sur la planète que l'on cherchait à atteindre depuis le début du jeu. Nous avons enfin atteint l'objectif que le jeu nous avait fixé, nous sommes sur Tanalor. Et donc nous nous dirigeons vers le temple Jedi, je crois, c'est ça, qui se trouve sur cette planète. Voilà. Voilà, voilà. Et ça fait pas tout à fait un mois, mais presque. On a commencé. On a commencé un peu avant. Hein.
Ah si, je crois que ça fait un mois. Ouais ouais, on l'a bientôt fini, ouais. C'est sublime, regardez-moi ça. Impossible que ça se termine bien avec Baud. Il a déjà utilisé sa paternité pour justifier sa trahison et ses meurtres. Maintenant, il est pris au piège, sans espoir de fuite. Pour lui, c'est tuer ou être tué. Ici, on a que de la donnée. Il y a aucun coffre, il y a rien. Dis quelque chose. T'as raison. Et pour Kata, elle est pas beaucoup plus jeune qu'on l'était quand on nous a pris nos familles. Je sais. Toi et moi, on va traîner ça pour le restant de nos jours. Mais Kata a encore une chance. Oui, c'est vrai. Très bien. On donnera à Baud une chance de se rendre. Pour Kata. Et pour nous. Voilà, je défonce la nature, moi, ici. Il n'y aura pas de coffre ici. Le seul secondaire qu'on aura, ce seront des scans. J'arrête pas de penser à ce que Seré a dit une fois. C'était un avertissement. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Je ressens tellement de haine envers Baud. Seré a remporté sa lutte contre le côté obscur. Tu remporteras la tienne. Oh, pas que. Il y a un petit écho de force ici. Miam. On se replie au temple. Les Nils encerclent notre position. Maître Guerra, ceci est un ordre. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Absolument rien, visiblement, mais ça m'intrigue tout de même. Pourquoi il y aurait une zone où il n'y a rien? Pour rien. Pour le décor. Merveilleux. Et l'autre est un tout petit peu plus loin. Genre juste là. J'espère en tout cas, YouTube, que ce ne sera pas le dernier épisode pour toi. Ce serait bien triste. C'est sublime. Hein. C'est magnifique. Hein. Tu entends? Kata. Je veux juste vérifier un truc, excusez-moi. J'attends patiemment. Belle étoile, entends-tu mon chant? BD1. Salut Kata, voici Mérine. C'est une amie. Je suis désolée que papa t'ait blessé. Ouais. Il a dit que je te reverrai jamais. Qu'est-ce que vous faites ici? Crash. Ton père a volé quelque chose d'important. Quel enfer. On va lui demander de nous le rendre. Tu veux bien nous montrer le chemin? D'accord. Suivez-moi. Oui, merci, je sais qu'il y a un crash. C'est bon, c'est revenu. Est-ce que vous avez le son? Pitié, dites-moi que vous avez le son. J'aime pas cet endroit. C'est sombre et isolé. Le son? Tu n'as pas à avoir peur. Allô, allô? C'est mieux?
Allô, allô, le son. Mais super joli. Oui, il y a le son. Ok, parfait, merci. Il y a pas de saccade, il y a rien, tout va bien. Par contre, le jeu, c'est un jeu d'horreur des fois. Pourquoi ? Oui, je sais qu'il y a eu Crash for Dave. T'es arrivé à la bourre, mon ref. Oh là là. Tout est ok, merci Toka pour le retour. Comment vous êtes arrivé là? Ça n'a pas été simple. Vous n'auriez pas dû nous suivre. Papa, non! N'approche pas, Kata. C'est le seul moyen de te protéger. Elle sera en sécurité. Je te le promets, Baud. Mais écoute-moi. Pourquoi, Fordav? C'est terminé. Dépose tes armes. Cette planète sera un refuge pour ceux qui sont persécutés par l'Empire. Y compris Kata. Et toi? En attendant, tu dois te rendre. Maintenant. Va-t'en, Kata. Écoute-la, s'il te plaît. Ça suffit! C'est à moi de décider comment protéger ma famille. Approche. Hey! Tu vas mourir! Tu vas céder. Wesh, wesh! Pourquoi j'ai pas pu me heal? Je suis pas d'accord. Je trouve que les musiques sont très cool, au contraire. Putain! Pourquoi il a pas voulu se heal? Putain, mes touches, elles fonctionnent, je comprends pas. Je vais lui laver la gueule. On va rester en double sabre. C'est parti. Second try, let's go. Hop, avant, hop. Notre décision est sans appel. Maître Ran Sissis, s'il vous plaît. Il a la force de se battre. Et je l'admire. Mais on risquerait bien plus que sa vie. Les vaisseaux s'en vont. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous suggère de vous prendre un coup. Approche. Gordon ! Tu vas céder. Hey. Tu vas céder.
Let's go. J'aime aussi, mais ça fait un peu peur. Je suis pas d'accord. Allez. Let's fucking go. Aïe. C'est mon foyer maintenant. Non, il faut me laisser. Wesh. Bah ouais. Mais je l'ai esquivé! Approche. Oui. Mange le man. Ah oui. Wesh. Oh!
vite. N'inflige pas ça à ta fille. Rhode, on sait ce que ça fait d'être orphelin. S'il te plaît, écoute-les, papa. D'accord. Et quand l'Empire sera là, est-ce que vous serez capable de protéger ma fille? Je suis désolé, Kata. J'ai essayé. Voilà, chat. Fordard. Comment te sens-tu? Mieux. Merci. Bien. On devrait discuter. Je n'étais pas beaucoup plus âgée que toi quand j'ai perdu ma famille. J'ai vécu avec cette douleur pendant des années. Je ne voulais pas aller mieux. Pourquoi ? Je pensais que si j'oubliais la douleur, j'oublierais aussi les personnes que j'aimais. C'est pas bien, Fordav, c'est pas gentil. Mais je me trompais. C'était le sabre de guerre. J'ai rencontré quelqu'un qui avait aussi perdu sa famille. Ensemble, nous avons trouvé une manière de survivre. Cette douleur est la tienne. Elle fait partie de toi. Quand ma maman est morte, ça a changé, papa. Et moi aussi, je pense. Oui. Mais elle n'a pas à te définir. On débat, c'est après, Fordav, je laisse la cinématique. Tu ne dois surtout pas la laisser te submerger. Oh, il y a eu un artefact bizarre, là. Salut Perle! Salut, salut, bienvenue à toi! J'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois là.
Ça va, franchement ça va. Ton perso ressemble fortement à Pop Smoke. Ça me dit rien. Moi ça va Pearl, ça me fait très plaisir de te voir. Vraiment. Non. Enterrement la Viking, la classe, je te jure. Et encore il n'y a pas les dracars, mais ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est pas vraiment un enterrement, mais... Il va falloir acheter des emojis. Pourquoi? Ah, d'accord, Fordav. Acheter des emojis, il y en a des emojis sur la chaîne. Et des points de chaîne, il y a des points de chaîne. Il y a tout. Avec les points de chaîne, du coup j'imagine, ouais. Ah, bah voilà. Tu vois, les y sont. J'espère qu'elles te plaisent. Nah, MDR. Oh, les accélérer, c'est creepy, hein. Oui, c'est vrai, Wolf. C'est vrai. Les autres, ils avaient droit au bûcher funéraire, exactement. Bûcher funéraire viking, mon gars. Vous m'avez sauvé la vie sur Braga. Vous m'avez montré le chemin. Le moment venu. Vous m'avez appris ce que ça implique d'être un Jedi. Mais vous n'êtes plus là. Oui, je suis d'accord, Wolf. On va perpétuer votre héritage, Serré. On va construire quelque chose qui survivra à l'Empire. Je vous le promets, je vous le promets. Mais j'ai peur. J'ai bien failli me perdre. Je sais pas si je suis prêt. Je sais pas si je suis prêt pour tout ce qui nous attend. Ça brûle vite, hein. Pire moment, Wolf. Au pire moment, t'abuses. La cinématique est stylée, toi tu lâches ça, t'es sérieux? Cal, guide-la à travers les ténèbres. T'abuses. Ouais. Je crois qu'on y est, mes amis. C'était donc le dernier épisode. J'aurais pu faire un effort la dernière fois, j'admets. j'admets, j'en suis désolé. Eh bien écoutez, ce fut une superbe aventure. J'espère que vous l'aurez apprécié tout autant que moi. Ce n'est pas tout à fait fini. Eh ben, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Mais cet endroit, c'est chez nous maintenant.
Oui, Grise. Oui, il faut croire. Mais on a encore beaucoup de travail. Ça va prendre du temps de contacter le passage. Et trouver les anachorètes. Et construire un saloon. Cet endroit est flippant, mais il y a du potentiel pour créer une franchise. Cet objet te revient. Ça nous revient à tous. Qu'est-ce que t'en dis ? Est-ce qu'on tente le coup ? Oui. Allons-y. Ah ! C'est ça qu'on veut ! Oh oh ! Génial ! Allez, je baille ta faim. Je vais te faire un truc à manger. T'as déjà mangé du steak de Skaz ? Vous avez atteint la fin de votre aventure. Cependant, la galaxie peut être librement explorée et il reste encore des secrets à découvrir. Nouvelle aventure plus. Le mode New Game Plus est désormais disponible dans le menu principal. Toutes les postures et éléments cosmétiques des parties présentes seront déverrouillées, ainsi que de nouveaux avantages et couleurs de sabre laser. Oh ! Tous les points de compétences seront également transférés dans votre nouvelle partie. Ah ! Avantage gratuit. L'avantage pureté augmente grandement les dégâts infligés par les armes tant aux alliés qu'aux ennemis. L'avantage guerrier remplace tous les ennemis standards par de nouveaux affrontements plus difficiles. L'avantage novateur modifie les cosmétiques équipés de façon aléatoire après une mort. Oui, bon, ça. Eh bien, mes amis, YouTube, c'est sur cette superbe fin que nous allons nous laisser. J'espère que tu auras apprécié l'aventure, tout autant que je l'ai appréciée. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine aventure potentielle, je ne sais pas encore où, ni comment, ni sur quoi. Mais d'ici là, je te souhaite de bien te porter. Merci à toi YouTube, et à la prochaine. Ciao.